Hey, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Orc PVP Tribu, la guerre des alliés, jour 6, épisode 10. Et je tiens à vous dire que c'est un des derniers épisodes, et oui, la série touche à sa fin, parce qu'on a compris ce qui se passait sur le serveur. C'est-à-dire que les joueurs qui jouent sur ce serveur sont potes certainement avec les admins. Et voilà, c'est un serveur qu'ils ont ouvert tranquille entre eux. Et nous on est arrivé dessus, on a foutu un peu le bordel avec l'alliance. Et en gros, pour se défendre, les admins donnent des ressources à leurs potes. Balles, équipements, dinosaures, en tout genre. Et quand ils font un raid, ils font ensemble à attaquer les tribus de l'alliance, et aussi parfois ils le font en god mode, c'est à dire qu'on ne peut même pas les tuer. Donc là, ce qui a été décidé tout simplement, c'est de s'armer, de s'équiper et de retourner le serveur. On va partir avec Lord Sax en chasse, tout simplement. On va arpenter la map pour trouver le maximum de bases et tout péter. Voilà, c'est un peu notre vengeance, exploser tous les joueurs qui se trouvent sur le serveur dans la mesure du possible, évidemment. Voilà, c'est juste qu'on va raid, griffe, attaquer, détruire, piller, tuer tout ce qu'on croise. Donc là, franchement, posez-vous. Installez-vous, ça va être une vidéo avec beaucoup d'action, beaucoup de grabuge, beaucoup de violence tout simplement, de violence. Et oui, parce que ce qu'il fallait pas faire, c'était tricher. Et oui, il ne fallait pas tricher. Donc le serveur, on va le mettre en feu à partir de maintenant. Alors j'ai pris le rec un peu tard, mais on avait déjà trouvé une base et on avait déjà commencé à se battre contre des joueurs quand la vidéo commence. Je vous laisse avec les images, régalez-vous. Et si c'est le cas, petit pouce bleu, n'hésitez pas. D'avoir vos réactions en commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, pour savoir ce que vous pensez de tout ce qui se passe, moi ça vraiment ça me nourrit ces commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, je vous laisse avec les images. Tchuss. What? Y'a un autre gars? GG. Ils sont rien, ils sont cul. Ah tiens, ça je prends ça par contre. Attends, mais c'est qui? Ça c'est ok. Ok, bon, dans tous les cas ça parle pas en français, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a une base pas loin? Bah du coup voilà, c'est ce que je disais. Hein? Est-ce qu'il y a une base pas loin parce qu'ils m'ont l'air d'avoir spawn pas très loin? C'est eux ça? Ah mais attends, mais non. Ils étaient en train de la raid cette base. Tu penses? Je sais pas. Bah ouais, ça leur appartient pas. Ouais ouais, mais elle est pétée. Je l'ai vu, c'était... Et du coup en fait là l'idée c'était de partir en exploration, faire des tours de map pour juste trouver des bases à raid, parce que je vais vous le dire honnêtement, le serveur il est pas à nous, et du coup en fin de compte on ne décide pas de ce qui se passe sur ce serveur, et vu qu'on ne décide pas de ce qui se passe sur ce serveur, bah, les admins ont décidé de tricher tout simplement, et de se give full ball, full tourelle tech, full tout, et en fin de compte on ne joue pas du tout armes égales. Je pense qu'il y a de grandes chances que cet épisode soit le dernier, parce que c'est injuste, et on n'aime pas l'injustice ici, donc voilà. C'est Terminares. Ouais, ils nous raident en god mode. Ils ont raid une tribu en god mode de l'alliance, donc c'est pas terrible. Les mecs, voilà, tu peux pas les tuer, ils te raident. Là, il y a une base juste ici, là. Elle est ouverte. Ah bah elle est cassée. Ouais. Ouais, c'est... Elle est cassée. Après, c'est peut-être les mecs que j'ai trouvé dans la petite box, donc viens vers moi. Je suis derrière toi. Elle est pas ouverte, la box, donc ça se trouve, c'est eux. Elle est par là. Oui, du coup, on a un mana guard, hein. J'ai découvert ce matin, je savais pas qu'on avait ça, donc bon. C'est cool, je découle le mana garm, c'est vachement bien. Alors, elle est là. Attends, non, c'est pas celle-là. C'est à qui ça? Clown Family? Non, mais c'est pas celle-là. Voilà, du coup, ce qu'on fait, enfin, perso, moi, ce que je fais, c'est que je marque toutes les bases que je croise. Et après, on va faire un petit tour de map, on va tout péter. Et ça va être la fin, tout simplement. Au bout d'un moment, faut s'arrêter, 20-20. Et on marque comme ça, Clown Family, et on reviendra pour tout casser. Même si je pense qu'il y a rien là-dedans, hein. Non, c'est pas grave. Juste histoire de griffes et de faire un peu chier, quoi. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Alors, c'était à qui, ça? Dai Brotsushi. Je les ai vus parler eux déjà, mais ça c'est pas ouvert. Donc est-ce que c'est une box start et il y a plus rien dedans? Ouais, c'est possible. Ce qui hein. Est fort possible. Bah je l'ai marqué. Je l'ouvre pas du coup. Ah oui, vas-y, bah ouvre-la. Hein. S'il y a de quoi, vas-y. J'ai toujours. S'il y a de quoi. Ah oui. Attends. Oh. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais, c'est ça, c'était une Starbox. Ah, il y a des... Oh, il n'y a plus rien. Elle a pété entièrement la base. Ouais, ouais. Voilà, niveau FPS. Ouais, ouais. Rien que la fumée, c'est... Ouais, ouais. Ouais, non, il n'y avait rien. C'était une Starbox.
Viens, on va voir la box Clown Family du coup, qui était juste à côté là, tiens, Rocket. Ah, mais elle était ouverte? Ouais, bah oui, elle était ouverte, je te l'ai dit. Ah, oh, y'a un mec! Ah, ok, j'ai. Ah, oui! Ouais. Enfin, lui, il va pas. Ah, il m'a bolasse. Hop, c'est mort. Coup de pression quoi. Ils sont tenaces. Fucking noobs. Le mec il me dit fucking noobs, ça fait 3 fois qu'on le bute. Attends, je vais marquer ce qu'il déteste. Easy. ça les joueurs de Ark, ils aiment pas ça. Mais du coup ça veut dire qu'il doit être pas loin en vrai. Hein. Ouais, c'est pour ça que je pensais que la cave, elles étaient à eux. Ouais, jette son stuff comme ça il reprendra pas. Voilà. Ok. Bon. Le mec il meurt 3 fois en moins de 5 secondes, il nous dit noob. Bon, du coup, je vais te montrer en Viking Bay les box, ça se trouve, c'est eux. Ouais. Allez, go Viking Bay. Hey, y'a un mec là. Y'a un mec là. Ah, t'as aucune pitié, ça. Bro, dis-tu ma touch. C'est un cul nu, il t'a parlé. Ah bah c'était l'Onyx. Ouais. Celui qui est juste à côté. Bon, ouais. Ouais mais c'est bon, aussi ils ont aucune pitié, ils trichent. Tu veux pas qu'on aille l'attaquer? C'est la base, elle est à côté, il est en train de la faire là-bas là. Ouais, vas-y. Si tu veux. Enfin, si tu as assez de roquettes en vrai. Oui. J'en avais pris 18. Ouais, bah, c'est bon. Il a même pas posé de lit. Si. Ah, il va respawn. Si, il a un lit. Il va respawn, ouais. Ou alors il s'est barré là déjà. Non, je pense qu'il va respawn, ça met une minute. Bah vas-y, attends, hop, sur le griffon. On va jouer au basket. Hop, panier. Panier. Petit dunk sur le lit. Ah, il a respawn, il a respawn. Et hop, disparition. On aurait dit une feuille morte. Ah, il nous parle en plus. Il y a un petit mot, y'a plein. C'est gaffe quand même à la E. Hop. Je vais tirer sur la porte histoire que t'ailles voir ce qu'il y a dedans. C'est bon la porte? Ouais. Je pense qu'il avait rien. Non, mais oui, c'est pour ça que moi je l'aurais pas cassé. Mais bon, si c'était pas nous. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais, voilà. Moi, je prends rien, c'est juste. Je laisse. Par contre, le petit bitcoin là. Ouais. On prend. Oh, une épée 140, c'est bien ça. Et voilà, et là, il y a les deux bases. Le mec là, il commence à passer en métal. Et l'autre, c'est celui que j'avais. Le premier que j'avais mis en cage là. Ah oui. Et il a refait sa base, il est resté là. Donc, autant ouvrir celle-là, parce qu'elle était pas du tout faite la première fois. Ah mais le mec est trop cramé là. Ouais mais bon, je sais pas ce qu'ils font. Une tête basse de start. Tu veux l'ouvrir? Vas-y hein. Petit coup de roquette. Vas-y tiens. Je tire dans la fondeuse du coup. Je t'en donne un. T'as une roquette. Et t'en avais un en plus? Ah oui. Faut toujours en prendre deux parce que ça se pète trop vite. Et là tu tires qui ici, là, dans la fonda. Ok. Essaye de sauter si tu préfères. Ouais, c'était la fin sans sauter, hein. Oh, y'a du truc ici, hein. Pas du truc. Vas-y, va à l'intérieur. Ah, mais c'est tout code piné, t'es, il est trop con, quoi. Je guette. Faut pas faire ça. Je guette. Tu veux que je lance quelques grenades dedans? Ouais. Là, les mecs, ils sont dedans, là. Y'a deux gars à l'intérieur. Bah, écoute, c'est. Ils vont mourir, hein. Bah, ouais. Ils ont des dinos et tout, ils ont un long neck, ils ont. Ouais, ils ont quand même pas mal de trucs, hein. Ils ont un. Ah bah, prends ce que tu. Centre d'usinage. Prends ce que tu peux prendre. Bon, en vrai, y'a rien d'intéressant, hein. Y'a un Ptera, c'est pour faire chier. Oh, 268, ouais, c'est pas mal. Allez, je prends le vélo Nazor aussi. Et ça, tu m'as dit, c'était piné. Ouais, tout est code piné. Ça, c'est faut pas le faire en vrai, c'est trop bête de faire ça. Non, faut pas, parce que là, on se serait servi, on aurait vu que de la merde, on aurait rien cassé. Ouais. Alors que là. Rocket! C'est tellement énervé quoi. Et ouais, y'a plus rien. Ouais, tu vois, y'avait que des sacs. Chitine électronique, cise électronique, les parcs. Oh, argile. Parachute, je prends. Anki. Bah, je les mets à terre, hein. C'est bon. Hein. Allez, ciao. Oh, t'as tiré sur quoi là?
Bah, sur eux. Bah, moi, c'est Gengis Khan, hein, y a plus rien derrière. Fouchek, voilà, c'est lui que j'ai mis en cage. Bon, on va en face ? Ouais, on va en face. Paf. Les raiders fous. C'est ouvert. Bah, c'est pas des raids de taré, mais bon. Ouais, ouais. Oh, bah, y a une longue vue, tiens. Voilà, toi qui en avais pas. Cool. Dans l'armoire. Merci à toi. Bon, y'a personne dans la base. Ça appartient à qui, j'ai pas vu. Pico Parno. Pico Parno. Elle est où la longue vue? Okay. Elle est dans l'armoire. Les parachutes. La seule armoire qui. Je prends. Mais qui a plus rien, quoi. Ah ouais, parachute, vas-y, j'en veux bien, j'en ai plus sur moi. Cunu comme Blue OB. Qui s'y veulent. Ah, y'a la A-Team. Qui veulent nous voir. On y va ? Je sais pas, de toute façon, si ça s'arrête comme ça, ça s'arrête comme ça. Bah vas-y, go. Attends, go, mais non, t'avais hein. Trouvé leur base. Ouais. Tant qu'on aille les specs pendant qu'ils sont pas là. Vas-y, bah go. Alors tu me suis ? Vas-y. Elle est loin ? Ouais, non, elle est juste là derrière. Là. Tu vois, elle est vénère cette base quand même. Hein. Ouais, mais défense, j'ai déjà vu mieux, mais le problème, c'est l'accessibilité de celle-ci qui est ouf. Ouais. C'est vraiment. Parce que Ce que je me disais, c'est qu'il y avait peut-être des points faibles où les tourelles n'ont pas d'angle de tir, tu vois, par en dessous. Ou tu peux peut-être les péter par en dessous, tu vois. Non, parce qu'il a l'air de les avoir bien... comment dire. Il a l'air de les avoir bien avancées. Du coup, dessus, le temps que t'y ailles, tu te fais shooter. Et dessus, elles sont trop loin de la paroi pour les roquettes de par le dessus. Ouais, il aurait fallu pomper, mais bon, là, on a clairement pas assez de dinos. Ouais. Ouais, c'est trop. Et tu veux passer chez les Mircea, là, que je te montre ? Il y a deux tribes. Les Myros, là ? Ouais, il y a les Myros et il y a les Mircea. Les Mircea, c'est ceux qu'on a attaqués, déjà. Ouais. Le premier gros raid qu'on a fait. Vas-y. Et j'ai retrouvé une nouvelle base. C'est où ? Vas-y, vas-y. C'est à la Fire Wyvern, là, dans la plaine. Je crois qu'ils ont bougé, là. Là, je te vois plus, hein. Ah non, ici ils sont là. Tu m'as perdu. Ouais, y'a des wyverns. Tu m'as perdu. Je continue tout droit, hein, suivant la plage. Ok. Ah, c'est bon, je te vois. Fais gaffe, y'a des wyverns. Je sais pas si elles sont agressives. De toute façon, wyverns. Je pense que c'est des wyverns ta mère. On les trace. Mais du coup, ils sont juste en face. C'est leur wyvern. Ils se sont refaits. Et tu vois, ils ont leurs deux petits radeaux là. Donc du coup, ceux-là, c'est ceux qu'on arrête dans l'épisode. Bah, je sais pas combien parce que j'ai pas commencé à monter. Il y a trois radeaux. Mais c'est. Il y en a trois. Ouais. Ah oui, le troisième là-bas. Mais vas-y. Unboxing. Bah, go les péter encore une fois. Unboxing. Hein. Ouais, par contre, quand on les arrête la première fois, ils avaient des tourelles quoi. Ah. Ah bah tiens. T'as fait un kill. Allez, encore un. Non, les tourelles, du coup... Là, les oui-oui, elles sont passives, tu vois. Ouais. Bon, celui-là, j'arrive pas à voir l'entrée. Il y a trois wyverns qu'ils ont planqué assez loin. Ah ouais ? Pas qu'on leur bute, ouais. Ça, c'est appartient à LOL. Un radeau de LOL. Ah bon ? Ouais. D'accord. Écoute. Du coup, vas-y, je te laisse pénétrer en premier dans leur base. Mais comment on fait pour rentrer là-dedans? Ah non, je... Ah, y'a les Carnots qui sont morts. Ah, j'ai tué. Ils étaient pas morts tout à l'heure. Attends, je remets une petite roquette du coup. Vas-y. Je vais péter le toit de l'autre. Quoique l'autre, j'ai l'impression que c'était que les... Ah bah tiens. Ah bah lui, je l'ai tué, c'était lui qui était en mode rat. Non, je t'ai envoyé la photo là. Ouais. Ah ouais, mais là du coup... Pour choper les sacs, c'est galère. Vas-y, viens, je vais te grab en griffe. Ouais, bon, y a du métal, y a du. Vas-y, jette tout. Un fouet, allez, je prends. Bon, ils avaient vraiment que dalle. Hein. Ils avaient strictement rien, quoi. Allez, il a du loi du PVP, hein. Bah après tous ces petits raids et toutes ces explosions et tous ces pillages, on était sur le chemin du retour pour rentrer à la base, pour aller s'armer et honorer notre rendez-vous avec la A-Team. Mais au passage, je voulais vous montrer la base de la Clown Family. Et il s'avère que j'ai fait une petite rencontre. Et oui, et j'ai pas pu m'empêcher. Et du coup, ça a un poil dégénéré sur les bords. Mais bon, c'était un peu notre baroud d'honneur sur le serveur. Donc, objectif, faire chier tout le monde avant de partir. Il y a un managerme de la A-Team devant moi, avec personne dessus.
Où ça? Je suis à la base de la Clown Family. Ah, moi aussi. Dans le désert, là. Peut-être qu'ils sont en train de... Ah, Joa va nous rejoindre. Oh, j'ai envie de le buter, son managarme. Vas-y. Sauf qu'attends-toi aux représailles. Ouais, de toute façon... Il est où? Il est au niveau de la faille? Ouais, il est juste là où il y a toutes les fondations. Ah non, mais il est là, le mec. Il a bougé. Ah. Moi, je me pose. Ça va partir en couille. Hein. Ouais, je me pose et... C'est clair que ça va partir en couille. Essaye de te faire discretos le temps que j'arrive. Salut. Ah, je le vois. Salut. Salut, Joa. Vous allez bien? Nickel, et toi? Ah, mais comment je fais pour le rater? Ouais, ça va, et toi? Bah, ça va. Le mec, il panique de ouf. Ouais, mais ça va trop vite, Managa. Ah, il est là. Il est en dessous de moi, tu me vois, là? Attends, non. Non, je te vois pas. Ah, ah oui, oui. C'est lui, ça. Ça, c'est lui qui est en l'air. Ah, il se taille. Il m'a vu en griffon, il se taille. Ouais, c'est pour ça qu'il va sous l'eau, pour pas que je le grabe. Je vais essayer de le scope, mais c'est pas... C'est pas gagné. Ah, ça va trop vite. Ça va trop vite, quoi. C'est abusé. Ah, je le vois, je le vois. Ouais, j'ai le. Je l'ai congelé. Il a rien pris, quoi. Il m'a attaqué. Vous avez pris des manas pour aller les embêter? Non, non, ouais. Moi, je suis en griffon, j'aime pas le mana. Ah. Comme ça, pendant que Tog le gelait, moi je les snipe. J'ai dû le mettre mal. Ah, c'était toi qui l'as mis des 112? Ouais, ouais. Il doit avoir une bonne armure, le salaud, là. Ouais. Ah, je vous vois. Je le suis, hein. Peut-être parti trop loin, je recharge. On va vers les beacons bleus, violets, là. Tu tombes. Je l'ai regelé. Il faut que tu mettes le gel sur lui, hein, vraiment. Ouais, mais ça, en vrai, ça fait rien du tout, quoi. Ouais, parce qu'il a une bonne armure. Moi aussi, le gel du mana, il me fait zéro. Ah, je te vois. Là, je bouge. Toi, ton mana, il est un peu moins violet que le sien. Ouais, ouais. Mais par contre, je sais pas où il est passé. Il était en face, là. Mais il va se tailler, de toute façon. Qu'il fasse... Ah bah ouais, hein. Qu'il fasse quoi? Bah se barrer, hein. Se barrer. Tu vois, t'as beau avoir une bonne base, si tu sais pas te défendre, ça sert à rien. Bon. On rentre à la cassa. Vas-y. Ah, il est encore là devant moi. Je te vois, vas-y, je vais le grab. Il est au-dessus de moi, là. Hop, je l'ai eu. Yes. Je l'ai eu. Et qu'est-ce qu'on en fait, toi? Je vais le lâcher. Hop. Je l'ai lâché. Il a un parachute. Putain, plus de balles au moment où je le snipe. Allez. Ah, il prend cher. Il est où, tu le vois? Gèle-le si tu peux. Et c'est pas vrai. Putain. J'ai fait mal, hein. J'ai mis 3 fois 132. Ouais, mais moi aussi, mais le problème c'est que je visais sur le griffon. Je le voyais pas. Ouais. J'essaie de le suivre, mais putain, il va vite, hein, le bâtard. Non, mais là, il doit avoir le palpitant, là. Ouais, clairement. Moi aussi, je l'ai, hein. Pour tout avouer. Là, j'ai pas eu les bons réflexes, mais bon, pour ma défense, c'était la première fois que j'avais un mana entre les mains, j'avais jamais joué avec cette bestiole, et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aurais dû sauter du mana et le sniper, tout simplement, en faisant ça, on l'aurait tué. Mais bon, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il va y avoir encore beaucoup de combats, parce que comme il a été montré dans cette vidéo, la A-Team nous a donné rendez-vous à l'obélisque bleu. Il faut savoir que cette tribu, c'est ceux qui ont la plus grosse base du serveur, donc on peut dire les alphas du serveur, et c'est aussi celui qu'on a attaqué en mana garm à l'instant. Et en fait, ils ont fait ça parce qu'on était en train d'éclater toutes les bases du serveur, donc on sait pas vraiment ce qui s'est passé en interne du côté roumain, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, on sait pas. Évidemment, on va honorer ce rendez-vous, on va y aller armé jusqu'aux dents, mais bon, ça vous le verrez dans le prochain épisode. Tchuss tout le monde.